Le point-to-point, c'est une discipline qui remonte au XVIIIe siècle en Irlande, où ce sont deux cavaliers qui, après une saison de chasse, se sont dit qu'est-ce qu'on va faire d'ici la saison prochaine. Donc ils se sont lancés un défi, ils ont dit tiens, on va partir de ce village et jusqu'au village suivant en prenant comme point de repère un clocher. Et puis c'est à celui qui arriverait le premier en prenant le chemin le plus court et en sautant tout ce qu'il y avait en travers de la route. Et puis de fil en aiguille, c'est une discipline qui s'est structurée et aujourd'hui c'est devenu une vraie tradition tant en Angleterre qu'en Irlande. Ça fait longtemps que j'y pense. Il y a une vraie ferveur pour cette discipline, un vrai enthousiasme, une vraie ambiance. Je trouve que c'est ce qui manque un petit peu en France. Donc en fait, l'idée, c'était d'axer la journée plus sur l'aspect sportif du cheval et du cavalier, l'aspect convivial, que les gens se retrouvent en dehors d'un hippodrome un peu trop conventionnel et de toute façon, que ce soit une journée détendue pour tout le monde.